Donc, comme je viens de m'en apercevoir, vous aussi peut-être, c'est un peu sur la fin. Bunker Hill est une immense source de béton. Les parpaings sont un peu cachés, il est disséminé un peu partout, mais il y en a énormément. Et c'est aussi une belle source de fer. D'acier, pardon. Si vous cherchez, vous trouvez vraiment de ces deux, vous voyez là, du parpaing de béton, du ciment, donc du béton, acier. Je vous montrerai combien j'ai récolté de ces deux substances, de matériaux. Du baril hein, pour l'acier. C'est assez impressionnant, ouais. Vous voyez, je trouve tout le temps des parpaings quelque part, un peu planqués. C'est mon deuxième tour, hein. J'avais loupé pas mal de choses encore. Béton et du fer, hein. C'est pour ça que je suis ici. Bon, je leur laisse leurs meubles. Bon, je suis surchargé, hein. Comme vous pouvez l'entendre, mais j'ai la capacité de pouvoir encore me déplacer, même en étant surchargé. Bien, allons regarder à l'atelier. Encore un parpaing. Pas le bol de galérer. Quand est-ce que... Voilà donc, j'ai chopé ici 150 unités d'acier que je vais prendre avec moi. Bois, j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant, et du béton, vous voyez, 118 unités. Je vais les prendre avec. Ouh là là, ouais, 737 sur 330. Je suis à peu près de courir.
Mais je vais aller mettre ça de mon atelier directement à Sanctuary, puisque c'est la base que je compte développer. On va boire un coup. En premier lieu. Vous savez quoi? Depuis notre conversation. Je vais déposer l'acier. Je vais déposer le béton. Bon, je suis toujours surchargé, je sais pas trop pourquoi là. Mais peu importe. Je me sens pleine. Je vous ai montré ce que nous je deux, voulais. Un sanctuary, pareil pour l'avenir. J'espère que c'est une information qui peut vous être utile là, dans vos constructions de base. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.